C'est clair que dans un engagement politique, il y a une très forte composante qui est d'empathie ou de solidarité ou de sympathie pour les autres, quoi. De soucis pour ce qu'ils peuvent vivre, hein, et qui est de l'ordre du ressenti. Je pense qu'on ne fait pas de politique uniquement sur des idées. Il y a toujours un arrière-plan derrière qui est de type affectif, quoi. Mais je pense que de toute façon, il n'y a pas d'idée qui n'ait pas d'arrière-plan affectif. Et qu'on retombe là dans l'opposition entre idées et sentiments, et qu'il y a une fausse opposition. Et vraiment, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, on va nous opposer soit que nos discours sont trop rationnels, sont trop éthérés, abstraits, soit que nos discours sont trop émotionnels. Ce qui, à mon avis, dans les deux cas, est faux. Enfin, on n'est pas. On a justement un discours, à mon avis, qui est vraiment en prise avec la réalité et où l'émotion est complètement en phase avec la raison éthique. Ce qui n'est pas le cas. Des défenseurs des dominations qui en général sont obligés de nier les faits ou de minorer l'existence des souffrances des victimes ou de trouver un certain nombre de mécanismes, de recettes qui leur permettent d'éviter de se poser la question, de se confronter à la question, etc., quoi. Je pense que la lutte contre les dominations, c'est aussi une lutte qui permet de lever les mensonges qu'on a bâtis pour les maintenir. Et que ça nous libère aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire que ça nous permet d'accéder à un rapport au monde qui n'est plus un rapport mensonger, mais qui est un rapport qui prend en compte la réalité. Je pense fondamentalement que l'éthique égalitariste, c'est pas une éthique parmi d'autres qui serait une parmi 100 000 et qui serait choisie comme ça en fonction de critères purement subjectifs, arbitraires. Je pense que c'est une éthique qui est en fait une éthique d'une certaine façon de la vérité et de la réalité. Prendre en compte les intérêts des autres, c'est prendre en compte la réalité. Et c'est prendre en compte la réalité dans ce qu'elle a d'important, justement. Je pense que le monde n'a pas de valeur par lui-même, si ce n'est la valeur que les individus sensibles lui donnent. En fait, d'une certaine façon, les seules valeurs qui existent par elles-mêmes, ce sont les valeurs qui sont produites par les individus. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Je veux dire, je pense qu'un rocher, un paysage n'a pas de valeur en lui-même, et que s'il n'y a personne qui l'aime, peu importe qu'il soit détruit ou qu'il reste pendant des millénaires, c'est totalement indifférent d'un point de vue éthique. Par contre, à partir du moment où il existe un être sensible qui accorde de l'intérêt à ce rocher ou à ce paysage, cet intérêt, lui, existe et il est en soi une valeur. Il est une valeur parce que un intérêt, c'est un intérêt positif ou négatif, c'est en soi une valeur. Et je pense que la prise en compte égalitaire des intérêts des uns et des autres, c'est simplement la prise en compte de la réalité, des seules valeurs qui existent dans le monde, qui sont les valeurs vécues, éprouvées par les individus sensibles. Et à ce niveau-là, je pense vraiment que l'éthique, ça peut être un dévoilement par rapport à la domination. On voit le monde autrement et on le voit d'une façon qui est, à mon avis, beaucoup plus en phase avec le réel. Oui. Vouloir vivre de façon éthique et vouloir changer le monde de façon éthique, je pense que c'est vouloir déchirer des mensonges, déchirer des voiles qui nous déforment la réalité, quoi.